Est-ce que vous connaissez l'histoire abominable de la colonie de Jamestown ? Nous sommes au XVIIe siècle et les Britanniques souhaitent coloniser les États-Unis. Après les échecs de Roanoke et de Popham, de nouveaux colons fondent Jamestown en 1607, en Virginie, pour s'installer durablement dans le Nouveau Monde. Ils sont isolés et ont de gros problèmes d'agriculture qui les mènent lentement à la famine. En plus, des déserteurs quittent la colonie. En une année, deux tiers des colons meurent, notamment de maladies et de malnutrition. Mais on se demande pendant des siècles comment certains ont fait pour survivre. En 2012, des archéologues découvrent le tibia et le crâne d'une jeune fille de 14 ans sur le site original de la colonie de Jamestown et remarque en examinant les traces dessus que l'intention était de la démembrer pour la manger. En 1609, les colons affamés ont donc eu recours au cannibalisme pour survivre. En 1610, seuls 60 des 214 colons sont encore vivants. Jamestown sera finalement brûlé en l'an 1699 après des décennies de difficultés pour la faire subsister.